Cinquième destination Aïkido nous emmène à nouveau de l'autre côté de l'Atlantique. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de nos amis Aïkidoka d'Amérique du Sud avec un premier stop à Santiago du Chili. Durant ce stage, je vais tenter d'expliquer les relations entre Kei et Tori. La relation entre Kei et Tori se caractérise pour moi par une complémentarité sans laquelle la technique de base, le kion, ne peut exister. Chacun doit apporter des ingrédients nécessaires à la réalisation du dit kion. D'une façon générale, on peut dire qu'Kei lance l'attaque, c'est-à-dire qu'il va mettre en route des impulsions permettant à Tori de réaliser son mouvement. Le pratiquant expérimente ainsi, lorsqu'il est Kei puis lorsqu'il est Tori, des principes identiques. Entre autres, les distances, les directions, les axes, les angles, la détermination et la vigilance. De plus, il apprend à gérer ses émotions. Partant de là, on peut considérer le kion comme une pièce de théâtre durant laquelle deux acteurs tiennent leur rôle sans surprise. Ils doivent le travailler, l'améliorer sans arrêt et s'en imprégner au maximum. C'est ainsi que les deux partenaires peuvent se rendre compte de la véritable richesse de l'action martiale qu'ils produisent en l'acceptant comme un alibi permettant de développer et d'améliorer des capacités physiques, des habiletés techniques et des valeurs morales. En conclusion, il me semble que la compréhension de la relation entre Kei et Tori passe par un travail de construction personnelle permanent. Celui-ci implique une remise en question continue permettant de mettre en lumière ses défauts et de pouvoir, à travers l'effort et la persévérance, les corriger. C'est depuis ce merveilleux sanctuaire de la nature ici dans la précordillère de Santiago de Chile que j'aimerais remercier tous les aïkidokas chiliens que j'ai rencontrés durant ces quelques jours pour leur gentillesse et leur intérêt. Je vous donne également rendez-vous pour une sixième destination aïkido à Buenos Aires, en Argentine. Et c'est dans cette direction
environ 1500 km.